Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Tous les jours à la nuit, Marceau refait l'info. À la une, les annonces du gouvernement suite aux violences de ce week-end à Champigny-sur-Marne, hein, qui veut donc interdire la vente de feux d'artifice au public sur Internet, hein, apparemment. Hein. Monsieur le Premier ministre, Jean Castex, bonjour. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Permettez-moi tout d'abord de vous dire bonjour. Bien sûr. Oui, notre réponse à la violence est ferme et sans appel. Nous allons, tenez-vous bien, interdire la vente de feux d'artifice. Ah, super. Et s'il le faut, nous interdirons également la vente de confettis. Voire même de langue de belle-mère. Oula, attention, on vient de se faire agresser. Ah, ça c'est une vraie réponse à la montée de violence, ah ouais, ça. Attendez. Et s'il faut, on sera encore même plus sévère. On va interdire les chapeaux pointus. Ou encore même les serpentins. Ah, encore une agression, je crois. Ah, vous avez vu qu'on s'est réagi au gouvernement. Ah ouais, magnifique. Bravo. Oh, super. Après les patrons de discothèques, ceux des salles de sport, c'est au tour des forains de manifester pour mettre en avant leurs grandes difficultés face à la crise. Ils ont organisé hier une opération escargot. Julien Courbet, vous les soutenez, j'imagine. Évidemment. Ça te prête, évidemment, Bruno Robles. C'est d'ailleurs une mobilisation très remarquée. Ah oui. Les opérations escargot chez les forains, c'est terrible. Les autotamponneuses à deux à l'heure. Qui ne tamponne plus. Ah oui. La fusée dans le manège qui n'a pas pu décoller. Ah oui. Je sais, j'y étais, elle n'a pas décollé. Et je ne vous parle pas des montagnes russes. Je les ai descendues à pied, c'était plus rapide. Ah, tristesse. Et monsieur Robles. Oui, monsieur Hollande. Moi, je les soutiens, les forains, car vous savez combien j'aime les fêtes foraines. Vraiment, j'adore ça, je suis fan. Ah, hein. C'est bien, monsieur le président. C'est quoi vos manèges préférés, c'est quoi La barbe à papa, la pomme d'amour et les choux. Effectivement. Après Jean-Michel Biceps pour représenter les salles de sport hier, aujourd'hui pour la Fédération des Forains, nous recevons Brian Décibel. Monsieur Décibel, bonjour. Bonjour. Oui, on n'est pas content, on ne gagne pas tous les coups, Du coup, on en manque à gagner. Alors, on espère qu'on sera écouté. Et attention, c'est parti, on garde ses mains à l'intérieur du manège. Merci Brian Décibel, représentant des forains. Si Marine Le Pen est élue, le chanteur et comédien Enrico Macias annonce qu'il quittera la France. La présidente du Rassemblement National a répondu « Une bonne raison supplémentaire pour voter pour moi en 2022 yeah ». Ah bah, Madame Le Pen alors. Enrico s'il s'en va, bon, c'est quand même pas assez convaincant pour me faire élire. Hein. Non, si Jules disait qu'il se barrait, là les gens voteraient vraiment pour moi. On va organiser tout. Oui, merci. Le retour du haut-commissaire. Bonjour Bruno Robles. Vous avez encore changé de générique? Non, c'est toujours Navarro, pardon, excusez-moi. Mais on l'a calé avant. Ah, parce que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu aussi, c'est pour ça. Donc on ne l'a pas reconnu tout de suite. Comme vous n'avez pas reconnu tout de suite. Non, à part pour les champions de facile à chanter, ça met un peu du temps. Bon, Monsieur Bayrou, alors dites-moi. Et moi, si je suis élu, vous savez quel chanteur quitte le pays? Non. Eh bien, personne, il n'y a aucune chance que je sois élu. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Enrico Macias, vous confirmez vos propos envers Marine Le Pen? Si Marine est élue, moi je quitte le pays. Je me taille. Je me taille. Si Marine est élue, moi je quitte le pays. Je me taille. Je me taille. Donnez des billets d'avion. Donnez. Et je quitte la maison. Donnez-lui. Donnez-lui des billets d'avion qui s'en aillent. Je préfère encore un toucher rectal. Oh non, Enrico. Marine en général. Je préfère encore un toucher rectal plutôt que Marine en général. J'ai envie de faire la danse du ventre. Marceau refait l'info tous les jours en exclusivité sur Rire et Chanson. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Eh bien, il y a d'autres vidéos ici, 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 et vous pouvez même vous abonner ici.